C'est pour une nouvelle vidéo de Teddy et Jordyn Musique officielle. Non, là c'est pas sur cette chaîne, là c'est pour la musique. Là on est sur oui, la mais il y a aussi des vidéos dans cette chaîne aussi parce qu'il y a deux groupes, ça se partage. Voilà, c'est un peu compliqué avec mon frère. Hein. Ah, parce que les vidéos là, tu les fais. Toi, tu m'écoutes pas, je te mets une pêche. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon, elle est morte. J'espère. Non, les mecs, c'était pour rigoler. Là, on va vous parler sérieusement. C'était un trop, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà. Bon, la voiture à l'arrière. Regarde. Bon, c'est fatal. Voilà, non, on va se calmer. Oh, même ma moto, elle a double. Voilà, alors là, on va vous apprendre. On a. Bah, putain, merde. On va vous dire comment on a appris la moto. Voilà. Alors, on a réussi de faire de la moto grâce à ma mère. Hein, bah je te gueule après. Voilà. Bon, c'est grâce à ma mère on a appris la moto. Alors, c'est grâce à ma mère que je refais les réparations. Merci. Likez pour ça aussi. Voilà. Par exemple, vous voulez, on m'achète une autre moto marquée dans les commentaires pour essayer une autre moto dans cette place là. Voilà. Et si on voulait, si vous voulez qu'on teste d'autres motos, voilà. Bon, on va vous parler comment on a commencé la moto. Yes, ça commence tout de suite. On a commencé de la moto, bah moi un jour en fait j'étais là sur mon canapé, je regardais des vidéos de moto, je suis tout sale, je regardais des vidéos de moto et un jour je me suis dit à ma mère, bah, j'avais 10 ans, et je voulais j'ai dit à ma mère je vais conduire ma moto, la 50. Elle me dit papa là, je fais, mais devant la maison, sont partis. Et elle me dit, d'accord, mais si tu tombes, tu viens pas te plaindre. Elle m'aura dit, c'est ta faute. Et je dis, d'accord. Et je la teste. Je passe ma vitesse. Mon père, il me tenait parce que j'avais peur de tomber. Je suis partie, je reste en première. Jusque mon, 3 jours plus tard, mon frère m'a appris à changer jusqu'en 5e. Bah, la 5e et la 4e et la 5e, c'est lui. Et la 2e et la 3e, c'est mon grand frère. Alors j'étais content quand je suis passé à 3e parce que rester en première c'était chiant. Puis je pouvais noyer en broute, en première, et voilà. C'est pas bon pour le moteur. C'est chiant parce qu'elle patinait sur les cailloux. Voilà. Et après elle a appelé mon frère, bah, lui, il a dit tu veux tester. Et lui, il a dit oui, c'est un fou normal, c'est un connard. Juste il y a eu un petit problème avec mon père. Il m'a dit de embrayer, il a lâché passé, direct. Il a calé, que moi je n'ai pas calé du départ, mais après j'ai tout calé. Et là, grâce à ma mère, ben, j'ai réussi à il a passé sa première et il a accéléré en lâchant l'embrayage. Et maintenant je suis passé en 5e. Normal, c'est toi qui m'as appris à passer en 5e, t'es con quoi. T'es con, ouais. Et voilà. Et après on va vous parler pourquoi j'ai fait des réparations. Et vous demandez pourquoi j'ai pas de moto encore, parce que je passe mon PSR avant. Voilà, pour moi, en fait, je vous explique l'histoire aussi. Mon ah, c'est tout. Ah oui, c'est ma mère, elle avait en fait, mon père elle avait acheté une moto à la moto à mon père parce que mon père avait pas de permis, ça avait été enlevé. Et en fait, mon père l'a repassé. Et il a acheté la BMW rouge, celle qui est là. Je leur montre. Vas-y, voilà. Là. Bonjour mes amis. Celle qui est derrière le mur. Et là, il y a la moto. Alors, voilà. Voilà, désolé pour vous, mon frère. Il y a la BM rouge, voilà. Et après, ma mère, quand j'ai mis 7 ans, elle a dit, bah, qu'elle mettait à mon nom. Bah, elle a pas dit à mon nom, je n'ai pas l'âge. Elle me l'a donné et elle a vendu mon âge. Et elle a fait croire que voilà. Et après la nuit. J'étais content. Voilà. Et voilà. Bon, maintenant, je te laisse expliquer parce que j'ai trop parlé. Je te laisse expliquer pourquoi j'ai fait des réparations, pourquoi j'ai changé les carnages. Et tu leur parles du reste après. Voilà. Bon, les amis, alors on va commencer par les carénages. Alors, je passe devant. Alors, je vais vous expliquer à quelle place elle est tombée dessus. Alors, une voiture est passée là-bas, la descente. C'est-à-dire, c'est comment? Il y avait un poisson, tu sais, le truc. Non, elle m'a coupé la route. Voilà, il a coupé la route à mon frère.
là. Et après, on était obligé de changer. En fait, il y a un stop. Attends, je vais vous faire voir là. Bougez pas. Je prends les clés. Je suis juste à côté, il la coupe. Alors là, il y a un stop en haut, là, il y a un stop en bas, en descendant. Et à chaque fois, là, en fait, on doit s'arrêter, sinon, voilà. Et moi, j'étais en train de revenir, j'étais en train de redescendre mes vitesses pour rentrer chez moi. Parce que j'étais en train de chauffer ma moto. Et là, d'un coup, elle arrive. Et elle descendait à toute vie. Et les gens d'ici, ils roulent à fond et en vrai, c'est pas freiné. J'ai freiné du frein avant. Sans faire exprès, la moto l'a chassé de l'avant et boum, par voilà. Terre. Et j'ai cassé le carénage avant, j'ai tordu le guidon, il y avait assez de gros dégâts. La poignée d'accélérateur, elle voulait carrément plus tourner, il y avait des cailloux dedans. Voilà. Voilà. Voilà, là, c'est là. Là, il y a un. Non, là, c'est pas un stop. Là, en vrai, là, en fait, Marie, on peut pas s'arrêter. Voilà. Si les flics, un jour, ils ont raté une personne parce qu'ils se sont fait arrêter. Et en fait, elle roulait à tout. Et moi j'arrivais en première comme ça. Et elle m'a passé là, d'un coup j'ai freiné le frein avant, l'arrière, l'avant, boum par terre. Et après j'étais assez dégoûtée. Voilà, il y a même eu un peu peur. Hein, moi j'avais rien, le plus important, bon, moi sans me cacher, je pleurais. Mais c'est pas parce que j'avais mal, parce qu'en vrai je m'étais rien fait vu que j'avais un jean qui était assez épais. Voilà. Du coup je m'étais rien fait, après une gratineur j'avais pas mal. Mais en fait le truc que je pleurais c'est que j'étais dégoûtée pour la moto, dégoûtée. Je pleurais juste en fait pour ma moto. Même ma mère elle m'a dit t'es chelou. Je fais pourquoi? Elle m'a dit tu pleures pour ta moto mais pour toi t'en as rien. Je fais bah chier pour la moto, elle vaut cher quoi. C'est ça le problème. Du coup elle m'a dit bah c'est quoi on peut changer tous les carnages. Elle a tout fait changer. Voilà. Alors, là, en fait, c'était vraiment bien pété. Là, l'accélérateur, c'était vraiment pété. Et en fait, le guidon, il est aussi ramassé. On voit la petite, là. Peut-être pas le nouveau guidon. Voilà. Bah, le guidon, on vous a fait voir sur une vidéo. Mais là, c'est la partie 2. Voilà. Est-ce que la vidéo, elle était tournée juste avant? C'est celui-là. Bon, alors, je vais remettre la caméra, vite fait, les abonnés. Là, il est pas tordu, vous allez me dire, mais il est un peu grand. Il est mieux par contre, voilà. Et plus résistant, on va dire. Et puis l'accélérateur là, vous voulez plus tourner, il y avait des cailloux. Ouais, et vous voulez plus tourner, les amis. Quand mon père enlevait la poignée, il y avait tous les cailloux qui descendaient. Et bon, maintenant on va vous laisser sur ce. On va vous expliquer quelque chose. On va vous parler de 2-3 trucs. Voilà. Ben, on est vraiment désolé pour je vous répète, voilà. On a arrêté les vidéos 5 mois parce qu'on a eu un clip à faire et c'était un peu compliqué. Alors, on est encore vraiment désolé et on va... je sais pas comment m'excuser sur ça. En tout cas, le seul truc qu'on sait, c'est qu'on va vite se rattraper. Voilà. Et à vite. Pas avec des vidéos de merde qu'on a fait. Bon, il y en a qui sont bonnes. Mais pas avec des vidéos de merde, avec des bonnes vidéos ce coup-ci. Voilà. Et là, j'espère que vous allez liker, partager, vous abonner et tout ça. Voilà. Bon, on vous a dit, au mois de décembre, il va y avoir une grosse surprise, on vous a dit. On l'a dit, on le répète. En fait, vu que vous le savez, c'est quoi? Oui, au mois de décembre, on va aller manger dans un restaurant à Ibra TV. Voilà. Et on va, après, l'autre surprise... C'est que ce jour-là, on va aller à Disneyland Paris après. On voulait une dédicace à une personne et aller vous abonner à ses chaînes. C'est un youtubeur qui a grimpé la tour Eiffel. Vraiment, si chouette la vidéo. Vraiment, j'ai vraiment eu peur pour eux au début. Il a vraiment grimpé du peur. Mais en fait, j'ai pas eu peur parce que je fais un peu pareil. Mais on n'a jamais grimpé la tour Eiffel. Hein. Mais on s'invente pas dans la vie. Mais vraiment, j'ai vraiment eu peur pour eux. J'ai vraiment eu peur. Je crois qu'ils sont passés sur un plateau de tournage. Tournage. À cause de vrai, j'ai même fumé. C'est bon, on peut m'arrêter. Bon, vraiment, en plus, abonnez-vous sur cette chaîne. Je sais pas où ils sont pris. Je vais pas vous dire ce titre-là parce que j'ai pas droit de faire des. Voilà, mais abonnez-vous vraiment à cette chaîne. Je vous en
j'ai une autre youtubeur, voilà, mais je veux dire Nino, comme ça, voilà, c'est pas trop le droit, on va dire. Il est fort, il est jeune. Bon, il n'y a que deux dans le monde à quand même grimper à Tour Eiffel. C'est beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup. Mais il a quand même grimpé jusqu'au à la pic de la Tour Eiffel. C'est énorme. Même moi, je ne grimpe pas ça. Ok, j'ai quand même sauté un balcon, mais on était vraiment haut, on voyait les voitures en bas. Mais vraiment. Les gens, les voyaient tout court. Voilà. Et aussi, allez voir une ancienne chaîne YouTube, on en a fait. Je peux plus la voir, c'est dommage. C'est piraté, on va dire. Ouais, on s'est fait pirater, je suis en colère. C'est Jordi LVF. Vraiment, allez la regarder, c'est là on a grimpé tout. Mais attends, j'ai une question. Est-ce qu'il y a ma caissie, les deux frangins, elles tombent toujours? Oui. Non, il tombe plus parce qu'on s'est fait pirater. Du coup, il y a laquelle qui est... Alors, juste elle et pas il y a juste la mienne. Après, tous les autres chaînes YouTube, on s'est fait pirater. Il reste les deux autres. Il reste elle en musique à nous et celle qui est par créer pour lui. Ça juste ça. Bah, on postera sur la noix. Allez, vas-y. Bon, merci les gars pour cette vidéo-là. Abonnez-vous, likez et abonnez-vous. Et merci à vous. Allez. Attends. Moi, surtout, likez pour pas sa gueule, vous le dégagez. Non, likez pas pour sa gueule. Bye bye. Ah, vas-y, la copine, là, je tire. Il est pas mort. Salut. Yes.